Salut à toutes et à tous, c'est Epsilon. On se retrouve sur The Witness, à l'endroit où nous nous étions laissés, n'est-ce pas? Bon, j'ai tourné un début d'épisode où j'ai essayé de résoudre les énigmes, mais bon, c'est au bout de 10 minutes, je me suis aperçu que je disais exactement les mêmes choses que l'épisode précédent. J'avais déjà passé 20 minutes sur ces énigmes, je me suis dit, je vais essayer de les résoudre tout seul. J'ai pas réussi. Vraiment, j'ai essayé toutes les solutions. Donc là, je viens de checker sur Internet. Je regarde si la solution que j'ai trouvée sur Internet fonctionne. Mais c'est honteux. Mais attends, c'est quoi ce bordel? Comment ça? Attendez, si vous trouvez la logique, je la veux bien. Oh putain, si, d'accord. On l'a trouvé. Ah mais donc on peut pivoter, bordel! On peut complètement les changer. Non, attendez, ah non, on peut pas les pivoter. Par contre, il faut que dans toute la zone. D'accord, j'ai compris. Ouais, c'est ça que je savais pas. Ok, donc là, par exemple, vous avez celui-ci est là. Celui-ci est là. Et la barre est là. En fait, ils les ont inversés. Ils ont inversé la barre. Parce que sinon, effectivement, c'était impossible. Voilà, ça, je savais pas qu'on avait le droit de le faire. Mais tant en fait que ça reste dans la zone, bah c'est possible. Écoutez, voilà, bah c'était. J'étais obligé de regarder sur Internet. Hein. Franchement, j'aurais jamais trouvé. Hein. C'est très joli. Donc, je vais checker, voir un petit peu ce qu'on a là. Est-ce que c'est la sortie? Est-ce que c'est une sortie? Ou est-ce que pas du tout? Après, la question, c'est est-ce que ça, on a le droit de le faire que sur les fonds rouges? Est-ce qu'il faut le faire que sur les feux rouges? Ou est-ce que c'est bon, sur tous on peut le faire? Ça, j'avoue, j'en sais rien. J'avoue, j'en sais rien du tout. Ok, donc oui, clairement, je suis en fait de l'autre côté. Oui, là, c'était l'autre d'ailleurs. Ah non, hein. D'accord, c'est quelque chose qui va remonter dessous. Je peux aller où je veux sur l'île grâce à ça. Oh! C'est sympa. D'accord, alors attendez. Qu'on sache à peu près où on se trouve. Déjà, oui, où est-ce qu'on est? Ah, on est là. D'accord, on est là. Genre, on a commencé là, je pense. Ou ouais, par là. Là, c'est la zone en orange qu'on a intégralement finie. Là, c'est la zone du moulin avec la zone souterraine. Et du coup, nous, on se trouve là. D'accord. Bah c'est à la fois pas très grand et à la fois quand même plutôt. D'accord, donc. Donc je peux. Je me suis pas sorti d'affaire. Mais genre j'ai moyen de faire cette nuit. Oui. D'accord. Oui, je pense que je vois à peu près comment faire. Ça fait quoi, ça fait quoi, ça fait quoi, ça bouge ça? Oui, ça bouge, mais alors. La lenteur! Ouais, ça bouge pas vraiment. Oh, si, ça bouge vraiment. Non, mais attendez, il y a un truc. Mais attendez, ça peut pas bouger aussi lentement? Ah, fallait pas faire ça. Ah si, si, si. On s'éloigne. Oh là là. Ah non, d'accord, c'est parce que c'est. D'accord, c'est deux plateformes qui se tournent. Bon, encore une fois, j'ai résolu une énigme, mais je sais pas si j'ai bien fait de le faire. Parce que si je suis bloqué là-bas, avec des énigmes du même acabit que là-haut, je vous préviens qu'on est dans la merde. Eh oh!
Ah non, attends, mais d'accord, il y a un autre passage. Ah, d'accord. Ok, il y a un autre passage, il y a un autre passage. J'ai cru qu'on était bloqué, j'ai fait non, mais c'est. Attendez, oh. C'est une blague. D'accord. Je sais pas trop ce que c'est là-bas. Avec une imagination, on dirait un serpent de mer, ou je pense pas que ce soit ça. là, on peut pas y aller, ok, on peut monter. C'est plein de petits labyrinthes, c'est un vrai petit labyrinthe en fait. D'accord. Là, et attendez, allez, je crois qu'on est retourné au début. C'est ça. C'est ça, d'accord. Oula, oula, ou le freeze. J'espère que le jeu va pas planter. C'est bon. Pardon pour le freeze, je sais pas pourquoi. C'est la première fois que ça m'arrive de freezer sur ce jeu. D'accord, bah attends, remonte. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Surtout que pour le coup, j'ai bien vidé mon disque dur, donc normalement, c'est pas ça. Je me souviens plus si on était allé par là ou pas. Mais d'accord, donc là, c'est. C'est le. Oh là là, mais putain. Je comprends pas. Je comprends absolument pas comment on peut faire. En tout cas, on est sorti de cette zone. Je pense qu'on va pas y retourner. De toute façon, je pense qu'on ne peut pas y retourner. Je sais pas trop comment on va faire, d'ailleurs, c'est une bonne question. Ou alors, faudrait y retourner avec le bateau. Peut-être. Mais regardez-moi ça, c'est tellement labyrinthique. C'est incroyable. Alors ça, on y avait été. Ça, on y avait été. Le grand gouffre, là, ça, on y avait été. Ok. On entend un truc. Ça fait un peu flipper. Je pense que toute l'île est quand même doit être un vrai gruyère aussi. Mais c'est hallucinant à quel point il est labyrinthique ce jeu, c'est ouf. Oh. D'accord. J'ai absolument pas vu qu'il y avait une statue ici. Hein. Je sais pas vous, mais alors moi je l'avais pas vu du tout cette statue. Hein. Oh. Ah, c'est un deuxième voyageur. On peut aller dessous. Oh là là, mais. Vous avez vu, il y en a un deuxième là-haut. Bon, j'appelle ça un voyageur, mais je sais pas trop. Du coup, alors ça c'est du jaune, d'accord. Et donc ça va être. C'est-à-dire que c'est un invisible. Et qu'il faut séparer les noirs des jaunes. Non, mais attendez. Les noirs des blancs. Je sais pas. Peut-être pas. J'espère que non. Et en plus j'ai des trucs limités. Ah non. Oui, d'accord, donc c'est bien ça, le jaune est invisible. Parce que là je peux pas passer parce qu'il bute contre le bleu. Donc le jaune est invisible. Bon, est-ce que vraiment j'ai envie de résoudre cette énigme? Telle est la question. Clairement le bleu qui est juste ici, va falloir le faire en dernier. Là, faut pas se bloquer, il va falloir passer. De toute façon, oui, ça nous arrange de faire passer le jaune sur celui-ci. Parce qu'il va falloir faire passer ça. On va faire ça comme ça. Ouais, par contre, est-ce que si je délimite. Ouais, non, mais même là, ça m'arrange pas. Non, mais à la limite, c'est pas grave ça. Ok, donc là, normalement, le jaune, il est par là. Comment je peux faire? Là, je suis en train de me bloquer là. C'est pas bon. Le jaune y est pas. Là, normalement, le jaune, c'est bon. Il a récupéré le petit point qui est juste en dessous de mon trait. La question, c'est comment il va faire pour passer le jaune maintenant? Comment il va faire pour repasser, pour reprendre le truc jaune là-bas? J'abandonne. Franchement, j'abandonne. Là, beaucoup trop complexe. D'accord, et du coup on va pouvoir accéder. Oh. Ah, c'est super intéressant. Qu'est-ce que. Il essaie de tirer peut-être des dés ou je sais pas. Ok.
Donc voilà, on a l'île sous les yeux. Effectivement, on a commencé au château qui est là. Ensuite, ben, on a fait, on avait vu le moulin là qui tourne encore. On a fait toute cette partie droite là. On est allé là-bas sur l'île d'où vient le faisceau bleu. Et là, je sais pas trop ce que ça provoquait. Là, on a. Oh là là, c'est quoi ce fuck? D'accord, donc là, ça c'est bloqué. Ça c'est bloqué, donc ça vient d'en bas. D'accord, donc quand on aura tout débloqué dans le souterrain, il est possible que ce soit ça qu'il faille faire. Là, on a une. Il y a plein de statues ici. Je sais pas exactement. Est-ce que c'est des gens qui ont essayé de. On va essayer de résoudre ces énigmes qui étaient bloquées sur l'île avant nous. Est-ce qu'au bout d'un moment, si on réussit pas à résoudre les énigmes, on est statufié comme ça? Eh ben, c'est que des questions sans réponse, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaye quand même de faire l'énigme qui m'a l'air sacrément tordue, hein? Franchement, elle m'a l'air très très tordue. On va se rapprocher un peu parce que. Et sympa le jeu de ne pas nous rapprocher automatiquement. Parce que voilà, bah, ça par exemple je peux pas faire. Pour, avant de rattraper lui, clairement il faut que je les fasse tous les autres. Et pour lui, il faudra que je. Mais lui c'est pas impossible par exemple que. Pareil, il faudra que je le fasse à la fin. Non, attendez, non. Et non, je dis n'importe quoi. Oui, d'accord, donc il va falloir que j'aille là. Voilà. Et genre voilà, là avec ça par exemple, j'ai réussi à ce que le jaune chope celui là-haut et que moi j'ai réussi à choper celui qui m'intéresse. Le problème étant maintenant que je pense que. Ah oui. Ah oui, donc non, ça je peux pas faire. Je peux pas faire ça comme ça. Ils ont fait en sorte de me bloquer là-dessus. Ce qui est très malin, n'est-ce pas? Mais qui me fait très chier parce que je vois pas du tout comment faire du coup pour le séparer. Bon, il faudra que le jaune qu'il fasse. Ben, dans ce cas, ça voudrait dire qu'il faut pas que je passe par ici. Mais si je passe pas par ici, là je vais me le bloquer le jaune. Là il est bloqué. Comment il pourra repasser? Il pourra pas repasser. Je sais pas si c'est très clair tout ce que j'explique, mais à la fois c'est compliqué de l'expliquer autrement. Ouais, voilà. Là, je suis bloqué. Là, je suis bloqué parce que j'ai le noir. Vous avez vu, je l'ai enlevé. Ou alors sinon, bah non. Sinon, on n'est pas con. Ça va être le blanc qu'il va falloir bloquer. La question étant par contre, est-ce que je suis capable de le. Est-ce que je suis capable de le faire? On verra. Ok, donc là il faudrait faire passer le jaune de ce côté-là. Genre là. Là, le jaune il est par là. Là. Le jaune il est là, mais voilà, il est là. Ou pas? Non, oui, non, le jaune il est plus bas. Il est plus bas, est-ce que. Eh oui, c'est tordu, leur truc avec leur fil qu'on voit pas là. C'est tellement tordu. C'est tellement tellement tordu. En plus, il y a les jaunes et les noirs et blancs. Noir et blanc, c'est bien ça. Hein. Je dis pas n'importe quoi. Les noirs et blancs, c'est. Il faut juste que les blancs se séparent des noirs. Et inversement, du coup. Il me semble. Il me semble bien, il me semble bien. Mais la question, c'est. Et là, du coup, le jaune. Bon, là, le jaune, il a chopé. Il a chopé celui là-bas. En soi. Ouais. En soi, s'il n'y avait pas le bleu tout en haut, la solution, serait pas bête. Elle serait atteignable. Le problème, c'est que là, je suis bloqué. De toute façon, je peux même plus. Là, maintenant, je peux même plus atteindre le bleu. Putain. C'est frustrant ce jeu. Bon.
Admettons que ce soit que ce soit plus simple de le faire comme ça. Là, si je fais ça, là, ça chope directement le jaune. Voilà. Oui, c'est peut-être plus simple avec le bleu comme ça. Là, si je fais, c'est la troisième case. Et du coup, la dernière case, c'est celle-ci. Ouais. Il faudrait que je puisse séparer le blanc de tout le reste. Admettons que ça fasse comme ça. Ouais, là c'est pas mal. Parce que là, il ne me reste plus qu'à choper lui. Normalement, ça le fait. Et... Ah, oui, non. Je peux pas choper le bleu. Je peux pas choper le bleu comme ça. Donc ça veut dire que... Ou alors sinon, ce qu'on fait, ce qu'on s'embête pas avec ça, on va juste aller chercher celui-là, là. Je crois qu'il est là. Si je dis pas de conneries. Là, normalement, le jaune l'a chopé. Et on fait genre ça comme ça. Oui! Vous pouvez pas savoir les victoires que c'est. Ah, j'ai cru qu'il y aurait rien, j'étais en mode... Pardon. Vous foutez de ma gueule? D'accord. Et encore, c'est dommage qu'on puisse pas les prendre, parce que là, mis à part faire des screens... Oui, c'est dommage qu'on ait pas un inventaire pour les prendre. Bon, bah ok, je vais essayer de me souvenir que j'en ai un là. Parce que je sais absolument pas à quoi ça peut me servir en plus. Puis alors lui, il est bien compliqué en plus, hein. Je veux dire, lui, autant l'os, je me disais, ah, c'est peut-être possible de le retenir. Bon, écoutez, j'ai fait cette énigme là, du coup. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça ne fait pas beaucoup avancer au final, mais bon, c'est une énigme de moi à faire pour plus tard. Du coup, je pense qu'on va retourner. Maintenant qu'on a compris un peu les règles de tout ça, on va pouvoir retourner là-bas où il y avait notamment la porte vers les tétraminos. Et puis, bah, puisqu'on n'avait pas exploré là, autant y aller. Oh, une sorte de serre. Non, bah écoutez, là c'est clairement faisable. Donc là, faut séparer. Donc du coup, on est bien d'accord, hein, c'est bien ça. Faut séparer les noirs des jaunes. Des blancs. Les blancs des jaunes, à la limite, ça aurait pu se comprendre. Parce que c'était de la cuisine. Mais les noirs des jaunes, non, je. Et non, non, j'assume pas cette phrase. Ok, alors. Bah voilà. J'ai failli m'embêter. J'ai vraiment failli. Et puis en fait, je me suis rendu compte que ce serait ridicule. Ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé d'enregistrement. C'est pour ça que je check un peu partout, parce que je me dis que ça fait longtemps qu'on n'a pas trouvé d'enregistrement. C'est très joli, dites-moi tout ça. Petite serre là. Bah, écoutez, on va l'essayer. D'accord. Donc là, on a ça. Oh. Bah, comme ça. Ouais. Ouh là, d'accord, on commence à avoir plusieurs couleurs, il faut toutes les séparer, je pense bien, du coup. Genre. Ça, je pense que ça fonctionne. Nickel. Ok. Ouais, ça fait plaisir de se remettre à résoudre de l'énigme, hein, parce que. Non, c'est comme ça. Ça me plaît bien parce que c'est des aplats de couleurs, donc il suffit juste de visualiser les bons aplats entre guillemets et ça passe. Sauf là. Là, ça passe pas. Là, ça passe pas et je sais pas pourquoi. Non, attends, enfin, je sais pas pourquoi. 2 secondes. Arrête de paniquer, Epsilon. Attends 2 secondes avant de paniquer, tout du moins. En fait, le problème, c'est lui. Je sens que lui, il va me poser problème, clairement. Attends. Est-ce qu'on commencerait pas par lui? Mais le problème, c'est que... Oui, non, on va l'éliminer. Voilà, là, voilà. Nickel. Et là, derrière, suffit juste... Entre guillemets... séparer blanc des violets. Je suis quasi certain que c'est comme ça qu'il faut faire, clairement, parce que sinon, lui, il va trop m'embêter. Mais à la fois, je sais pas s'il faut le faire à la fin. Non, à la fin, non, j'y arriverai pas. Donc, oui, non, clairement, 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 clairement. Faut commencer comme ça.
peut commencer comme ça. Et après, est-ce qu'il faudrait pas... Non. Est-ce que... Parce que là, ouais, non, là, il va me dire non. Voilà. Ça le problème c'est que là encore il y a un blanc, je pourrais pas séparer les deux blancs du violet là, c'est pas possible. Ou alors sinon, ah, ou alors sinon, est-ce que ça fonctionne? D'accord, donc les voilà, ça c'est important, les couleurs sont pas obligées d'être ensemble, il faut juste que les couleurs soient toutes séparées. D'accord. Ok. Genre. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Ça, on est d'accord. Non. Oui, merci. Bah non, si, ça passe. Hein. J'allais dire c'est très simpliste, mais ça passe. Tant que ça passe, on est content. Là par contre ça va plus passer là. Là voilà, là c'était le mot, le jeu te laissait jouer. En mode non mais vas-y, si tu veux faire plaisir, fais-toi plaisir. Mais où ensuite il se venge d'une bien méchante manière. Je pense qu'il faut séparer les deux verres. Ah oui non, pardon. Je pense qu'il faut séparer les deux verres. Le problème c'est que là. C'est pas ça. Ou pas, hein. Peut-être pas séparer les deux verres, mais sans séparer les deux verres, je vois pas trop de possibilités. Parce que à chaque fois, en fait, je vais me bloquer là. C'est pas ça. Ou alors, faut pas trop que je m'échine sur les verres. Non. J'ai cru, mais non. Ah non, non, c'est pas vu. Hop là. Hop là. Hop là, hop là. Tout simplement. Il faut que l'idée germe, il faut que d'un seul coup t'aies l'idée, que tu fasses ah mais oui! Ce coup de génie. Non, clairement, ça faut que je les sépare, ça c'est évident. Si je passe par là, en tout cas, faut que je les sépare. Après ça, je peux faire ça comme ça, à la limite. Je suis pas sûr que ça m'arrange bien. Oui, d'autant plus que du coup, je me retrouve. Ah oui, attention. Attention. Non, je pense pas que ce soit comme ça. Genre plus comme ça déjà. Voilà. Oui, surtout que là, on est d'accord, c'est les mêmes couleurs. On est d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord, vous savez. Oui, ça me pèse un peu que vous me répondiez pas là, en direct. Ah non, dommage. Dommage, parce que si les roses avaient été à la place des mauves, bon, d'accord, les mauves là, c'est les mêmes. Je vois pas tout à fait la même couleur, mais ce serait très bâtard pour de la part du jeu de que ce soit pas les mêmes quand même. Non, si c'est les mêmes. Faut pas déconner. Ah, dommage. Presque. L'idée est là. C'est presque ça. Ah non. Ah bah dans ce cas-là, je crois que j'ai... Oui. Oh putain. Allez, et on avance. Ça fait plaisir parce que. Ah, c'est excellent. Je check en haut par hasard. Ah, c'est quand même très très joli, hein, parce que t'as ce, enfin, je sais pas s'il y avait qu'une seule personne sur le projet ou s'il y en avait plusieurs.
Je vais tâcher de me renseigner, mais alors c'est magnifique, quoi. Ok. Parce que genre ça va pas fonctionner. Attends. Ça ne va pas fonctionner. Ouais. Non, je sens pas en fait. Oula, là voilà. Vous voyez quand je vous dis que le jeu se venge des fois? C'est. Voilà, c'est ça, par exemple. Ok, attendez. Wow. Rien que là, ce truc-là. Ou alors faut jouer le jeu de les séparer, genre, c'est pas grave. Ouais, mais non, même si je fais ça, par exemple, lui, comment je le sépare ensuite le vert? Je pourrais plus repasser par là. Mais du coup, je pourrais pas le séparer du rose. Je suis obligé, si je fais le contour du carré, de toute façon, ouais, je suis obligé de faire tout le contour du carré. Je pense. Après, je suis pas obligé forcément de le faire comme ça. Ouais, mais non. Genre, je peux pas faire genre ça comme ça, par exemple. Ça fonctionne pas. D'accord. Donc, oui, je suis obligé de faire tout le contour du carré. Reste à voir comment. C'est plutôt comme ça. Ou pas. Waouh, c'est quoi cette énigme de dingue? Genre, lui et lui, c'est un peu les mêmes bleus, au final, c'est du bleu, c'est la même chose. J'ai le droit de les mettre ensemble, non? Non. Non, 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 je ne pense pas. Bon. Je crois qu'on va faire un peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'en début d'épisode j'avance bien, et puis en fin d'épisode je tombe sur l'énigme impossible, et je n'avance plus du tout. Mais attendez, vous allez pas me dire que c'est faisable ça. Arrêtez de déconner. Le problème c'est que même si je fais ça comme ça par exemple, le problème c'est que derrière le. Tu vois, par exemple ça pourrait être une solution. Mais le problème c'est ouais, non, même pas en fait. Regardez. Je m'approche même pas. Putain, c'est ouf! Je m'approche même pas d'une début de solution, quoi. Alors, admettons ça. Bah non. Non, non. Parce que si je fais ça comme ça. Puis même, je peux même pas rassembler les verres. Faudrait que je fasse ça comme ça. Putain. Au secours. Help. Please. Mais genre, c'est possible ça? Alors, évidemment, en plus, il n'y a aucune autre énigme. C'est genre, ouais, putain. Oh, il y en a encore 3 dans le genre. Encore 3 dans le genre pour ouvrir la porte. Ok. Ah, tiens, c'est intéressant. Il y a un passage là. D'accord, on va passer par les serres. Il y a moyen que ce soit pas tout de suite, mais que genre, un moment, quand on traversera le souterrain, on fera. Ah, tiens, coucou. Je sais pas quoi faire. Déjà, je sais pas si j'essaye de résoudre cette énigme ou pas. Enfin, si je vais essayer, allez, il reste 1-2 minutes là. Allez, maximum 6 minutes. Maximum 6 minutes. Est-ce que je peux le faire? Parce que de toute façon. Ouais, mais. Clairement, je pense que ce carré, il faut le délimiter. Mais la question que ça pose, c'est une fois que j'ai délimité le carré, comment je fais le reste? Parce que là, le problème, c'est que les. Dans ce cas-là, regardez, les rouges et les roses, je ne peux plus les séparer. Et les roses et les verts et les bleus, je ne peux plus les séparer non plus. C'est complexe quand même. Alors du coup, à la limite, non. Ou alors, faut genre pas que je me prenne la tête sur ce carré. Et si j'essaye autre chose, ça donne quoi? Là, oui, voilà. Mettons, ok.
Mais là, bah, du coup, déjà, je peux plus séparer les verts et les roses. Là, je peux plus séparer les rouges et les roses. Ok. Mais je panique pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. Attendez, mais c'est pas... Oh là là, on est sur une énigme de type... De type celle là-bas. Celle sur laquelle j'ai galéré. 100%. C'est obligé. Regardez ça! Je peux rien faire! C'est ouf! Mais c'est dingue! Alors, genre, faut commencer de l'extérieur, peut-être? Genre, commencer de là? Mettons. Mais là, déjà, rien que c'est déjà en faisant ça, je peux plus. Attendez. Ok, admettons, on fait ça. Là, je peux déjà plus séparer les verts et les roses. Et ça, déjà. Bon, bah je crois que je vais la faire je vais essayer de la faire tout seul. Et puis dès que j'ai trouvé, je crois que je vais recommencer à tourner. Parce que vraiment là, je vois pas comment c'est possible. Franchement, là on est. Et c'est pas comme celle sur fond rouge là que j'ai galéré, que j'ai résolu en début d'épisode. Parce que celle sur fond rouge, c'est que j'avais une règle de gameplay qui m'avait pas été précisée. Ou alors, en tout cas que j'avais pas compris. Peut-être que le jeu me l'avait dit, mais je l'avais pas compris. Là, le problème qu'on a, c'est qu'on est sur une règle de gameplay qui est explicite. J'ai bien compris tout. Je pense pas qu'il y ait d'inconnu de ce côté-là. Mais c'est vraiment l'énigme en elle-même qui m'a l'air super dure. Bon, écoutez, de toute façon, on va se laisser là. Je vais essayer de la faire de mon côté. Et puis, bah, de toute façon, au prochain épisode, on prie pour que j'ai réussi à la résoudre. Mais écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. On avance bien. Ça fait plaisir. J'espère que je vais être obligé d'utiliser une solution sur Internet maintenant. Là, comme je vous disais, vu que je connais toutes les règles de gameplay, je pense. À mon avis, c'est bon. Je devrais réussir à la résoudre. C'est juste que je vais galérer à mort. Mais bon, ça, limite, voilà, vous en fichez. En plus, ce sera hors caméra. Bon, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous dis à la prochaine. C'était Epsilon. Salut tout le monde.